Hey, coucou, c'est parti, là, on est pour les énergies de la semaine. Je suis dans... Ah ! C'était quoi ? La vache ! Ben, je saigne. Et la meuf a peur des bêtes. Je saigne et il y a ça qui est sorti. Et le paquet qui a sauté. Je me suis fait supra mal. Et pour des raisons complètement bizarres. Vous risquez d'être surpris cette semaine par quelque chose qui est assez violent, qui peut peut-être remonter, ou actuellement en fait, je suis désolée, j'ai presque limite un fou rire. Mais truc de fou quoi. C'est marrant parce que, alors je vais vous dire ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose sans doute que vous avez senti venir, que vous subodorez depuis peut-être un moment. Et ça, même si vous êtes préparé à ça, il y a quelque chose qui vous surprend, ça fait ressurgir tout à coup quelque chose. Évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez simplement que dans les guidances, tout fait partie de la guidance et ça en fait partie. Et avant de commencer à battre les cartes, Je subodorais que quelque chose allait peut-être venir me faire réagir parce que je suis dans un coin de campagne et qu'il y a énormément de fleurs et qu'il y a beaucoup d'insectes et que moi, les insectes, il m'en faut peu pour que je crie. Donc, c'était pas un insecte et ça m'a surpris bien plus fort. Je me suis même fait mal. Ça m'a fait mal. Bref. Ça fait partie du truc, vous avez été surpris, même si vous le sentez depuis un moment arrivé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a donc des insectes qui décident de s'accoupler sur la carte du sacrifice. C'est aussi assez intéressant. Je ne vais pas vous déranger, les gars. Ce qui remonte ici est sans doute quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui peut être de l'ordre de la tristesse. Du côté, tu vois par exemple ce que je vois ici, c'est ces deux insectes qui sont collés, ok. Et y en a un qui veut aller dans un sens, l'autre qui veut aller dans l'autre, mais ils sont collés et manifestement, ils ont du mal à faire l'un sans l'autre. Waouh, ils font des trucs d'équilibriste, c'est un truc de dingue. Ok. Il y en a un qui s'accroche, l'autre qui est plus prêt à prendre des risques. Il peut y avoir... il y a une forme d'énergie autre qui s'installe et qui veille. Il y a des périodes de stagnation, il y a des choses qui... Là, on est comme en suspens. On est comme en suspens et... ok... Les énergies qui sont là pour impacter ne font que venir et partir. L'énergie qui pouvait bloquer ici est partie. Et pour autant, il y a besoin peut-être d'intégrer que l'on va changer de direction, que l'on va changer peut-être aussi de point de vue, que l'on va peut-être prendre cette nouvelle direction. On va voir, on va les laisser faire. C'est comme s'ils attendaient quelque chose. Ok, on a ce... Putain, il y a vraiment beaucoup d'insectes. Il y a vraiment ce nouveau départ ici. Ok, qui est sans doute déterminant. Il y a un accès de nouveauté. Il y a quelque chose... Peut-être qu'on vient vous secouer, mais à fond. Même avec des choses qui ne sont pas faciles pour vous, qui vous dérangent. Là, je suis dans un élément... Moi, je suis fan de nature. Hein. Mais complètement. Et pour autant... Donc, vous voyez, je me mets en situation dans quelque chose que j'aime, mais où il y a quand même, malgré tout, des petites difficultés. Je veux dire, j'ai pas super envie. Tout à l'heure, il y a une punaise qui est venue dans mes cheveux. Ça n'arrête pas de partout. Et ça, c'est assez représentatif de ce qui se passe ici. C'est-à-dire que on a beau aimer quelque chose, il y a des éléments qui nous perturbent. Ok ? Même fort. D'accord ? On est un peu au taquet, à surveiller, à... je suis dans un drôle d'état d'être ici, là, comme ça, pour les énergies de la semaine. Et c'est pas anodin. Ok, ça y est, ils ont décidé
de reprendre une forme de liberté. Ils sont toujours ensemble, hein. Ils sont toujours collés. Donc il y a quelque chose comme ça qui se dénoue pour démarrer. Et vous avez vu ? Oh, c'est magnifique. On a quelque chose qui vient apporter beaucoup de paix par rapport à cette... on va venir apaiser cette surprise. On va venir apaiser cette nouvelle direction qui a besoin de s'intégrer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les cartes me le confirment. Il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet. On va vers quelque chose de vraiment lumineux. Il y a quelque chose qui... la blessure de rejet, d'abandon, visiblement, est quelque chose qui est difficile pour vous. La preuve en est, vous êtes tout collé. Vous êtes tout collé dans cette histoire. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être ressenti peut-être à nouveau afin de s'en débarrasser et pouvoir rester dans des prédispositions, même à être à deux, mais non plus au travers des prismes de souffrance dont vous aviez l'habitude avant. Il y a vraiment une notion d'équilibrer sa sphère émotionnelle ici. Alors évidemment, hein, ce sont des énergies dans la semaine. Ça ne veut pas dire que dans la semaine, j'en ai fini avec les blessures et les bidules. Enfin, je veux dire, ça va de soi. Hein, mais c'est juste qu'on avance. On avance. Alors, on te dit aussi de prendre le temps. Et moi, je le vois, je les observe, ces deux petits choupinous, là. Ils prennent leur temps, hein, y a pas de souci. Ils savent que de toute manière, ils sont là, ensemble. Mais vraiment, quoi, c'est assez intéressant. Ils prennent le temps d'être ensemble. Ils prennent le temps de savourer ce moment. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas « je suis venue là, je les ai dérangés ». Mais pourtant, paf, ça va, ils s'adaptent. Et ils y vont tranquillement. Ils savent que c'est OK. Bon, y a vraiment une notion d'être vraiment très, très relié à une personne. Hein. Hein, j'ai cette carte moi qui me le montre au travers de la triade, au travers de ces deux insectes là qui n'arrivent visiblement pas à faire les choses séparément. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir sans pour autant être collé, je veux dire, comme les deux insectes avec la personne. Vous pouvez ressentir ça, d'avancer, de progresser, sans pour autant être avec la personne physiquement. C'est des ressentis, que ce soit psychique, télépathique, sensoriel, mais de l'extra, dans l'extra palpable. Vous avez besoin de faire du tri dans votre pensée. Encore une fois, je vous parle de projection. Faites attention à vos projections. Parce que tout ce qui est de l'ordre du rêve n'est pas bon pour vous. Il est important de vous réancrer dans la réalité, de vous réancrer dans ce qui est à vivre. C'est OK. Il ne faut pas penser forcément tout le temps que tout ni facile ni difficile, les croyances, tu sais, de tu vas en chier pour y arriver ou si c'est fluide, c'est que c'est bon. Et c'est des phrases un peu toutes faites, si tu veux, ça, comme si tu disais oh bah là, il n'y a pas le tapis rouge donc je ne dois pas y aller parce que si j'ai des freins, c'est des signes et tout ça. Il y a des moments, il faut arrêter la vie concrète, on revient, on vit les choses et on voit bien. Parfois, ça queen un peu, mais c'est une voie royale derrière. Parfois, et puis se dire aussi, voilà, c'est deux trucs qu'il faut rééquilibrer. C'est pas parce qu'il y a des petits obstacles que c'est la fin du monde, et il faut aussi rééquilibrer le fait que dans la vie, t'es pas obligé d'en chier pour y arriver. Rétablis entre les petites épreuves et la difficulté, tu vois. Ça peut être les deux tranquilles, mais en douceur. Il y a besoin de douceur. Rétablis cet équilibre-là. Et puis, arrête de protéger dans ta bulle. Il y a un truc de cet ordre-là. Il y a quelque chose à équilibrer de cet ordre-là. Dénoue la projection mentale. Dénoue la bulle. Il y a un dénouement. Quelque chose qui va avancer ici.
Ok. Je vais peut-être refaire de toute manière un tirage autre pour la semaine. Je sais pas. Là, j'avais envie de faire un truc avec la triade. Allez, gros bisous, je vous embrasse.